Bonjour à tous. Alors nous abordons la première conférence de cette retraite un peu particulière qui a comme point de départ l'interpellation adressée à l'aveugle Bartimée « Et confiance, lève-toi. C'est au chapitre 10 de Marc, verset 49. Et confiance, lève-toi, il t'appelle. Et confiance, lève-toi, il t'appelle. Et là, il t'appelle, on va préciser, à entrer dans la tente. Eh bien, pour illustrer cette invitation du Seigneur à une attente dans la confiance, un épisode de la vie de Sainte Faustine Kowalska va nous éclairer. Le 22 février 1931, dans sa cellule, Hélène Kowalska, en religion Sœur Marie Faustine, a une vision du Christ miséricordieux. Du cœur de celui-ci émanent deux rayons de lumière, l'un de couleur rouge, l'autre de couleur blanche. Il symbolise le sang qui est vie de l'âme et l'eau qui justifie. Et il y a là une allusion transparente à l'évangile de Jean qui rapporte que du cœur transpercé du Christ en croix jaillirent du sang et de l'eau. Ce sang et cette eau jaillisse du cœur de chair d'un Dieu, comme gage de la miséricorde infinie qu'il a pour tout homme. À la demande, nous le savons, expresse du Seigneur, cette vision est devenue une icône, maintenant célèbre, l'icône du Christ miséricordieux. Et sur cette icône, une seule inscription, Jésus, j'ai confiance en toi. C'est une nouvelle manière euh, miséricordieuse inventée par le Seigneur pour nous inviter et nous réinviter tous à une confiance totale en sa miséricorde. Mais cette confiance appelle une conversion du cœur, et la conversion du cœur doit nous conduire à toujours plus de confiance. Eh bien, dans un premier point de cet entretien, je vous propose d'approfondir le rapport entre confiance et conversion. Et confiance, lève-toi, il t'appelle. Et il nous appelle en ces moments à entrer dans l'attente, l'attente de Dieu. Eh bien, revenons à ce passage de l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 46-49. Il rapporte la guérison de l'aveugle Bartimée. Recevons-le à nouveau. Verset 46. Ils arrivent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timé, Bar-Timé, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus, le Nazarénien, qui se mit à crier Fils de David Jésus Aie pitié de moi Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit Appelez-le. On appelle l'aveugle en lui disant Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole Que veux-tu que je fasse pour toi L'aveugle lui répondit Rabouni. Que je revois. Jésus lui dit Va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt il revoit et il cheminait à sa suite. C'est bouleversant. Eh bien, son état d'aveugle réduisait Bartimée à une vie marginale par rapport à la vie sociale. Il est assis au bord du chemin. Il est mis de côté, il est de côté. Et donc il fait partie des démunis, il fait partie des pauvres, de ceux, comme dirait le pape François, qui sont à la périphérie. Pourtant, il y a ces cris, ces cris pleins de foi, de confiance, on pourrait dire d'opiniâtreté même. Eh bien, ces cris traversent les barrières sociales et ils interpellent Jésus malgré ceux qui le rabrouent, qui voudraient l'écarter. Il est gênant quand même. Mais la foi de Bartimée reconnaît en ce nazarénien le fils de David, c'est-à-dire le Messie. Touché par ces cris, Jésus s'arrête donc. quelles que soient les circonstances, Jésus prend toujours le temps de la rencontre avec chaque personne. Et de fait, c'est uniquement pour rencontrer chacun de nous, pour nous sauver mieux encore comme le dit Jean, pour faire de nous ses amis, qu'il a pris notre chair, qu'il s'est fait notre serviteur, notre esclave, comme le dit Paul dans l'épître aux Philippiens. Ainsi, au lieu de continuer son chemin en passant outre, comme le prêtre et le lévite de la parabole du bon samaritain, Jésus s'arrête, il s'arrête, auprès de l'homme malade, comme le fit justement le bon samaritain. En réalité, le bon samaritain, c'est Jésus. Jésus a entendu le cri de détresse de cet aveugle qui voudrait, que d'autres voudraient lui faire taire, et il l'appelle. Fort de cet appel, certains de ceux qui entourent Bartimée lui transmettent cette invitation et l'encouragent donc. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Le verbe employé ici, lève-toi, et est le même qui est utilisé pour désigner la résurrection de Jésus, par laquelle il va se lever d'entre les morts. Mais qu'est-ce que se lever Qu'est-ce que ressusciter C'est entendre la voix du Christ et sortir des ténèbres de nos tombeaux pour rentrer avec lui dans la lumière de la vie. Dans les évangiles, nous le voyons, la guérison physique est toujours le signe d'une guérison-résurrection spirituelle. Fou de joie d'avoir reçu cet appel, Bartimée jette son manteau. C'est intéressant ce détail, parce que dans la Bible, le manteau est le symbole de la condition sociale et humaine d'une personne. Et par ailleurs, bon, le manteau, c'est l'unique bien que possède le pauvre, comme on le voit dans les livres bibliques. Symboliquement, donc, en jetant son manteau, Bartimée quitte tout pour suivre Jésus. Il quitte tout, à l'inverse du jeune homme qui s'en va tout triste car il avait de grands biens. Donc Bartimée abandonne tout ce qui pourrait l'entraver dans sa course vers le Christ. Il fait comme Pierre et André, Jacques et Jean, qui, en entendant l'appel du Christ, ont laissé leur filet et leur famille. Mais ce qui reste à la base de la reconnaissance de Jésus et de son bon vers lui, bondit vers Jésus, c'est la foi de Bartimée. Avec une note de vénération, d'intimité affectueuse, de confiance, il le nomme Rabouni, comme le fera d'ailleurs aussi Marie-Madeleine près du tombeau vide lorsqu'elle reconnaîtra Jésus ressuscité. En retour, la question de Jésus, Que veux-tu que je fasse pour toi semble quand même un peu étonnante, presque incongrue en fait. Tellement le besoin de Bartimée est évident. Il est aveugle. Mais Jésus manifeste ainsi que la guérison n'est pas un geste magique, une sorte d'automatisme. La guérison est le fruit d'un dialogue de foi avec lui et de confiance avec lui. En interrogeant l'aveugle, jusque-là mis de côté, Jusque-là marginalisé, aux périphéries, Jésus lui permet de manifester sa dignité de personne et de croyant. Il lui permet d'exprimer sa confiance dans le Messie. Et en effet, la guérison des aveugles figure en premier lieu sur la liste de ces, des signes messianiques annoncés par les prophètes. En tout cas, on le note dans les évangiles. Jésus guérit toujours en rapport avec la foi, qu'il la suscite d'abord ou la permette grâce à la guérison. En définitive, la guérison vise à restaurer la relation à Dieu et à accueillir par là la vraie vie, le salut, parce que l'ultime guérison que nous cherchons tous, c'est le salut. De fait, c'est sa foi qui sauve Bartimée, qui lui permet de retrouver la vue et le pousse à suivre Jésus, devenant ainsi son disciple. Et c'est le moment où Jésus va entrer à Jérusalem pour y vivre sa Pâque. Eh bien, c'est à ce moment-là que Marc présente l'aveugle guéri comme le modèle, en quelque sorte, du disciple fidèle. D'une certaine manière, toute l'histoire du salut, de son attente à travers les siècles, peut être résumée dans cette invitation pleine d'espérance et confiance. Lève-toi, il t'appelle. On trouve cela d'ailleurs dès le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, où l'on voit Dieu se mettre à la recherche de l'homme qui vient de se détourner de lui. On peut dire que l'histoire du salut est l'histoire d'une double attente. L'attente de Dieu et l'attente de l'homme. Mais celui qui attend en premier et qui ne cesse de nous attendre, c'est le Seigneur lui-même. On le voit dès le premier livre de la Bible, la Genèse. Dieu est à la recherche de l'homme. Dans la Genèse, en effet, il est raconté comment immédiatement, après la désobéissance d'Adam et Ève, le Seigneur part immédiatement à leur recherche, alors qu'ils essaient vraiment naïvement de se cacher de lui. Et cette quête est l'occasion du tout premier dialogue direct entre Dieu et l'homme. Je cite la Genèse. Ils entendirent le pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme, Où es-tu dit-il. J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. C'est le chapitre 3 de la Genèse, versets 8 à 10. Sous le regard du Seigneur, qui forcément voit tout, c'est tout, L'homme et la femme pécheurs sentent douloureusement leur dénuement, leur nudité, c'est-à-dire en fait leur vulnérabilité, parce qu'ils réalisent maintenant qu'ils se sont coupés de celui-là seul qui pouvait leur donner la vraie vie. Cette nudité, vulnérabilité, joue non seulement à l'égard de Dieu, mais encore entre eux qui ne sont plus transparents l'un par rapport à l'autre. Et c'est pourquoi, selon le texte, il se couvre de feuilles de figuier, nous dit-on. Le non à Dieu, le refus de Dieu, a engendré une solitude tragique. Le péché commis ensemble, en fait, n'a pas uni, mais au contraire, a isolé les humains en face de Dieu et en face les uns des autres. Dans le ⁇ où es-tu ⁇ de Dieu, il faut découvrir une interpellation sur la situation morale de l'homme, dans le sens, mais qu'es-tu devenu Et cette interprétation est corroborée par le verset 13 où le Seigneur dit à la femme, mais qu'as-tu fait là Toute l'histoire biblique témoigne de cette recherche de l'homme pécheur par Dieu. En vérité, il ne cesse d'attirer l'homme pécheur par son amour. Il ne cesse de nous attirer. Pour sa part, le catéchisme de l'Église catholique décrit bien cette attraction d'amour dans le cadre du mystère de la prière, cette fois. Et il y a ce passage merveilleux au numéro 2560, la prière, que nous le sachions ou non. Et la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Dieu a soif que nous ayons soif de lui. Et le catéchisme insiste sur le désir du Seigneur de nous rencontrer. Dieu nous attend. Je le cite au numéro 2567. Dieu, le premier, appelle l'homme. Cette démarche d'amour du Dieu fidèle est toujours première dans la prière. La démarche de l'homme est toujours une réponse. La prière apparaît comme un appel réciproque, un drame d'alliance, et ce drame engage le cœur. Un témoin privilégié, un des témoins privilégiés de ce drame d'alliance, le prophète Jérémie, rapporte une plainte douloureuse de la part du Seigneur au chapitre 2 de son livre, verset 13. C'est une plainte de délaissement. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne retiennent pas l'eau. Cette prophétie et de multiples autres passages bibliques témoigne du double désir dont j'ai parlé. Le désir de Dieu à l'égard de l'homme pécheur, c'est-à-dire de nous-mêmes, et le désir de l'homme pécheur à l'égard de Dieu. Une double attente, donc. Du premier point de vue, du point de vue du Seigneur, on peut évoquer comme simple exemple la prophétie d'Amos, un autre prophète. Chapitre 8, verset 11. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'enverrai la faim dans le pays, non pas une faim de pain, non pas une soif d'eau, mais d'entendre la parole du Seigneur. De l'autre point de vue, celui de l'homme, notre point de vue, on trouve une multitude de textes, notamment ceux tirés du livre des Psaumes, qui tous montrent que seul le désir de Dieu peut rassasier le cœur de l'homme, tout en lui donnant encore soif de lui. Je prends simplement deux exemples. Le psaume 63, verset 2. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre sèche, altérée, sans eau. Psaume 42, verset 2, 3. Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu Et de fait, plus Dieu veut donner, plus il élargit notre capacité à le recevoir. Prenons un exemple dans l'histoire des saints. Une sainte Thérèse de Jésus, d'Avila, dans son ouvrage, dans son grand ouvrage intitulé Le Livre des demeures, note que c'est ce que fait le Seigneur particulièrement dans la prière d'oraison, cette prière silencieuse. Dans plusieurs passages de ce livre des demeures, elle cite plusieurs fois ce verset du psaume 118. Je cours dans la voie de tes volontés car tu mets au large mon cœur. Ou autre traduction, car tu as dilaté mon cœur. Sainte Thérèse de Jésus, Davila, désire faire percevoir à quel point, dans la prière, le Seigneur travaille la plupart du temps à notre insu en élargissant la capacité de notre âme à le recevoir. À recevoir sa grâce. Et ainsi, le Seigneur nous ouvre des horizons toujours nouveaux, toujours plus profonds. Thérèse écrit encore C'est ce que l'on remarque dans cette oraison, avec bien d'autres merveilles que Dieu accomplit dans l'âme. Il l'habilite, c'est-à-dire il la rend capable, et la dispose pour que tout tienne en elle. C'est-à-dire que tout ce que Dieu veut nous donner, eh bien, on soit capable de le recevoir. Et dans un registre semblable, le Seigneur disait à notre ami du début, Sainte Faustine, « Il n'y a pas de misère qui puisse venir à bout de ma miséricorde, puisqu'au moment de se communiquer, ma miséricorde s'amplifie. » C'est dans son petit journal. Cette... Assiduité, oui, on peut parler d'une assiduité d'amour de la part de Dieu, faisait dire à un pauvre prêtre du XIXe siècle, devenu célèbre, Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, le Saint Curé d'Ars. Ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu qui court après le pécheur et qui le fait revenir à lui. Il disait encore, et il avait une grande expérience pastorale, certains pêcheurs ne, voudraient pas, euh, ne le voudraient pas chez eux. Ils iraient même prendre leur fusil pour le faire mourir et n'entendre plus parler de lui. Ça n'y fait rien. Il attend toujours à la porte. Et encore, si le pêcheur s'égare davantage, ce tendre Père ne cesse de le poursuivre par sa grâce. Le bon Dieu vous presse, il vous poursuit partout depuis que vous l'avez abandonné. Le bon Dieu est toujours disposé à nous recevoir. Sa patience nous attend. Il nous faut recevoir cela particulièrement. Le bon Dieu est toujours disposé à nous recevoir. Sa patience nous attend. Et oui, Dieu est toujours celui qui fait le premier pas, même si nous n'en avons pas toujours conscience. D'ailleurs, le Christ n'a-t-il pas annoncé, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Chapitre 12 de Saint Jean. Alors, puisque nous sommes sous l'attraction du Seigneur, à nous de nous tourner vers lui, à nous de nous convertir se convertir justement au sens premier du mot c'est se tourner vers dans la conversion il y a un double mouvement celui de la grâce la grâce qui est toujours première qui ne cesse de nous attirer et celui de notre réponse libre c'est ce que dit l'écriture par exemple dans le livre de Zacharie chapitre 1 verset 3 Tournez-vous vers moi et moi je me tournerai vers vous. Et lorsque dans notre liberté nous répondons au Seigneur, eh bien nous pouvons nous approprier ce passage des Lamentations, du livre des Lamentations chapitre 5 verset 21. Tourne-nous vers toi, Seigneur, et nous nous convertirons. Voilà le double mouvement nous reconnaissons à ce moment que la grâce de Dieu nous a permis de lui répondre. La grâce est toujours première. L'appel de Dieu est toujours premier. Le chrétien est donc toujours en attente de la grâce qui le devance, le prévient et l'appelle à répondre. Eh bien voilà le message que nous pouvons recevoir de façon particulièrement intense en cette période de l'Avent qui commence. Amen.